Et bonjour à tous, c'est Darklink, et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour Pokémon Sword. Nous allons continuer et peut-être terminer cette histoire, parce que là, nous attendons toujours Tara qui n'est toujours pas revenue au rendez-vous. On devait faire un petit resto avant de faire le combat final. Eh monsieur, il a pris peur, il a vu ma performance, et donc là, il s'est réfugié chez le président, qui le retient, soi-disant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Bonjour toi. Alors, qu'as-tu à nous expliquer? Ah, qu'est-ce que je fiche dehors? Je suis claqué après mon combat contre Dark. Avec la team Miel, Nabil et Dark, on a décidé d'aller voir chez Rose. Allez, viens, on va faire ça en famille. Ah, c'est tellement beau. C'est beau, tout cet amour fraternel. Beau, mais inutile. Ah, ça, c'est la servante du président. Enfin, la... Ah mince, je sais pas comment on dit ça, mais bon. Voilà. Le président Chéro s'entretient avec le maître. C'est une audience cruciale. En conséquence, je ne laisserai personne les interrompre. Ah, elle est vraiment carrée, quoi. Elle est stricte sur les règles et sur le respect du président. Un peu trop, même. Un peu trop étouffante pour le président, je dirais. Je sais pas. Ah, moi, j'aimerais bien monter dans la grande roue, faire un beau combat au sommet. Enfin, l'accès à la Chéros Tower est restreint. Seul le personnel autorisé et détenant une clé spécifique peut emprunter le monorail pour y parvenir. Vous n'avez donc aucune chance d'accéder à la tour pour importuner le président. Certes, j'ai bien confié une clé à un membre de confiance du personnel de la Ligue, mais jamais il ne va vous le donner. Jamais il ne vous le donnera. La donnera. Oh là là, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Ne vous avisez pas de lui courir après. Vous ne mettrez jamais la main sur cette clé. Vous ne passerez pas. C'est pas la peine de me suivre. Vous ne me retrouverez pas. Ah, tu veux faire une partie de cache-cache. Je comprends. On fait quoi alors? Ça craint quand même. Mais pas de panique. La team Yel est là pour nous donner un coup de main. On est le champion! Super, on va le trouver cette clé! Enfin, la trouver! On va parler France correct! Je m'occupe de la zone devant le stade. Ah, monsieur veut jouer à cache-cache. Hein. On devrait peut-être aller à la place ensemble. Oui. Parfait, on y go! Alors, faut qu'on trouve la clé. Cherche la clé! Faut qu'on retrouve l'employé de la Ligue et qui lit live. Et qui live a passé la clé. Oh là là. Je pense pas qu'il soit 10 000. Qu'il soit 10 000 à porter des lunettes de soleil aussi ringardes que les siennes. Ah, ça m'étonnerait qu'il le foute à côté, mais ça peut être une ruse aussi. C'est enfin le Pokémaster, mais je suis si occupé que j'ai pas le temps d'en profiter. Ah, évidemment. Déjà qu'on est surmené avec les Pokémaster, maintenant on nous interdit l'accès à Chéros. À la Chéros Tower. Je suis pas assez bien payé pour ça. Ah, c'est embêtant. Il paraît que Monsieur Chéros et le maître sont en train de discuter de choses très importantes. Je me demande de quoi ils parlent. Oh, mystère. Il est sûr qu'il y en a un caché là. Non, même pas. T'es là-dedans? Non, il n'est pas là-dedans. Oh. Ah, il est là-dedans? Non plus. Là? Non. C'est toi? T'es déguisé, hein? T'es déguisé? Non.
Apparemment, il y a pas mal d'employés qui font en fait partie du fan club secret de Madame Leave. Madame Leave. Il est beau le mur. Il est magnifique. T'as vu ces détails sur les briques? Dark, ce type est hyper louche. Tu crois? Vas-y, dis-lui un truc tellement choquant qu'il aura pas l'autre choix de se retourner. Ah, Madame Leave, vous êtes là? On a la clé! Quoi? Dites, je me suis retourné et impossible de fuir. Bon, plus le choix. Baston! Pas mal. Ah, j'avoue, c'est pas mal. Seb et de Macro Cosmos va se battre. Ah. Un Miaeus qui se laisse aller. C'est pas rasé depuis 7 ans au moins. Il doit garder les restes le 4 heures. Hein. Pour le 4 heures. Le reste de midi pour le 4 heures. Voilà. Voilà, je suis n'importe quoi moi. Enfin, mieux d'aller me coucher parce que là il est plus de minuit. Tape sur la tête. Ouais, c'est overcheaté quand même. Non. Moi, quand j'encourage quelqu'un, je fais pas semblant. Tu m'as redonné courage. Merci. Ah, sympa. Petite originalité sur le scénario. Pas mal. Ouais, donc il n'y a vraiment pas de conseil 4. Hein. C'est vraiment les. Une finale comme ça, un peu comme dans l'animé de la série Pokémon. Enfin, juste un peu, parce que là j'ai battu que deux personnes. Il n'y a pas de l'histoire de demi-finale et de quart de finale. Fermite. Fermite, c'est insecte ça. L'insecte, ça craint le feu. Ah oui, je crois que c'est un Pokémon de la 5ème génération. Si je me trompe pas. Mais c'est insecte. Insecte acier. Même l'acier, ça craint le feu. Forcément, c'est dégâts x4, quoi, en gros. Hé, pas content! Pas content! Hein, c'est pas ce qu'il avait dit? Ah ben je m'en fiche! Parce que je vais aller me cacher et vous aurez jamais ma clé! Encore? Ah! Il court trop vite! Où est-ce qu'on est allé? Qu'il est allé se cacher? C'est marrant quand même qu'on fasse équipe avec la team Yel. Je crois que c'est la première fois que. Courage! Tu vas y arriver! Tu vas y arriver! Allez, je te suis, je t'encourage! Où est-ce qu'il va? Ah, mais il sort de la ville, d'accord. Il a décidé de prendre la poudre des scampettes. Hein? Il s'est téléporté ici? Mais c'est pas normal, ça. Là, il est bizarre, ce jeu. Franchement, il est bizarre, hein. Attends. Bon, allez, faut que j'arrête de... Eh ben, t'avances pas! Bon, où est-ce qu'il est? Ah non, c'est pas lui! J'ai besoin de me rendre à la Shiro's Tower, mais les monorails ne circulent plus. C'est embêtant. Ah, la musique de cette ville est sympa aussi! Bon, ben on va aller fouiller par là-bas. Je sais pas, moi. Il me semble qu'il était parti par là-bas. Non, c'est marrant, cette partie du cache-cache. C'est original. J'aime bien. Bon, franchement, j'aime bien. Au départ, j'ai vraiment cru qu'on allait affronter
après avoir battu les deux au final, là, on allait affronter le maître directement, mais non, il se passe, il y a un petit scénario, il se passe un truc. Bon, après, forcément, ça allait pas se terminer comme ça, et il fallait que j'affronte aussi le Pokémon légendaire. Il y a toujours eu ça dans Pokémon. Oh, bon sang, mais où est-ce qu'il est allé? Mais où est-ce qu'il est allé? Il se cache où? Alors, il n'y a pas le droit de rentrer dans les baraques, par contre, hein, c'est dehors, obligatoirement. Qu'est-ce que t'en penses? Je le vois nulle part. Où est-ce qu'il est, ce guignol de la ligue? Ça... Je cherche partout, ici. Bah... Quand même pas caché dans une maison, ce serait abusé. Mais vas-y pour trouver la maison, quoi. Non, il est pas sur la pelouse. Ah, non, c'est pas lui. Non, il parle tout seul. Il parle aux fleurs, en fait. Ah. C'est pas toi? Ah bah d'accord, il était à la même place presque, il était resté sur la place. Oh là là. Mais comment tu m'as trouvé, quoi? Tu m'as juste parlé au cas où? Pour la peine d'assister, t'auras pas la clé. T'as pas la peine d'assister. Encore un combat? Ah, pas marre. Non, il y en a pas marre. Eh non, il m'a dit non. Bon, lui, il est acier et fait, un truc comme ça. Acier et fait, donc il craint le feu. Aïe. Avec moi. Oh, hé, hey, oh, hé, hey. Allez, Dark, allez, Dark. Oh oui, oh oui. C'est pas mal. Et voilà. Minotope. Ah, Minotope. Alors, on prend le Givrali. Ah, qu'est-ce qu'il est beau, mon Givrali. Ah, j'avais dit dans une partie que je reprendrais l'oiseau pour affronter le maître, Corvaius, mais là, finalement, je viens de rester sur le Givrali, d'autant plus que j'ai gagné facilement les niveaux en faisant les raids. Ah, comme je l'ai expliqué déjà... Voilà. C'est abusé quand même. Il est beaucoup trop simple ce jeu. C'est une cette 8ème génération. Bon, c'est cool, hein, comme je l'ai dit, qu'ils aient inventé les bonbons XP, comme ça, ça évite de s'embêter à affronter à plein de fois les Pokémon pour augmenter petit à petit l'expérience. Bien sûr, c'est beaucoup mieux. Si on veut changer de Pokémon qui est seulement niveau 20 et on veut faire rattraper le retard. Ah, c'était bien la peine de changer de Pokémon en courant. Eh ben, je m'en fiche, je vais me mêler à la foule et vous aurez jamais la clé. Ok, il est parti par là-bas. Ah! Tu crois que je t'ai pas vu? Non mais franchement! C'est ça que t'appelles se mêler à la foule. Tu voulais me faire... Tu voulais m'induire en erreur, hein? Comme ça, hein? Mais comment tu as su que j'étais là?
Bah, pas grave. Cette fois, voici, je vais gagner et fuir avec succès. On dit ça, on dit ça. Non, lui, je crois qu'il est insecte. Cette drôle de tête à épine. Ah oui, ouais, bon. Aïe. Je suis là pour t'encourager. Est-ce que tu danses encore? T'es la meilleure. Danse, Pokémon, danse. Ah ouais, petit sabotage. Allez. Allez, Pokémon, ils tiennent jamais des objets. S'ils tenaient une baie, je l'aurais fait tomber en faisant un sabotage et je l'aurais récupéré. Mais bon. Tant pis. Steelix. Bon, allez. Roche et acier. Allez, petite enchère pour terminer. Et voilà le travail. Petit coup critique complètement inutile vu qu'il ne restait que 2 PV. Voilà, voilà. Alors, je peux ni gagner ni me cacher, mais je peux pas. Mais je peux me battre. Me barrer. Pardon. Oula, je comprenais pas se battre. Me voilà fait comme un ratata. Enfin, c'est ce que tu crois. J'ai bien trop peur de me faire bronner par Madame Liv pour abandonner si vite. Essaye donc de m'attraper sur le monorail si tu peux. Ouais, c'est attrape-moi si tu peux, quoi, comme dans le film. Hé, la team Miel, allez chercher Nabil. On a besoin de lui pour encercler le fugitif à la gare. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, bien. Ah, d'accord. Ah, on m'avait pas dit qu'il avait des... Que c'était des quadruplés, quoi, en gros. Attention, lui, il a l'œil. T'as fait un super boulot, Dark. Tellement super que ça m'inspire une chanson. Une chanson, c'est tout ce que je peux offrir. Une chanson, enfin, je vous... Afin de vous soutenir. Peut-être est-ce inutile, peut-être est-ce futile. Malgré tout, je chante, oh baby. Peterson! Peterson! Ah, c'est Peterson, il fait une performance de rue. Mais pourquoi? Pour le coup, ce serait plutôt une performance de gare. Allons voir de plus près. Ah! Peterson, on a la clé! On peut prendre le monorail pour aller à la Sheros Tower maintenant. Ah! Dark Nabil, c'est maintenant ou jamais, allez-y! Bien joué, franchement bien joué.
C'est donc ça, le cher Rostower. Elle a combien de détages, cette tourte? J'arrive même pas à parler comme il faut, tellement je suis impressionné. Même à voir le sommet avec tous ces nuages. Oh là là. Bon, c'est quoi le plan? Les copains de la team Miel sont en train de mettre une rouste aux bourges de la Ligue. Oulala. Donc, on n'est pas prêt de les revoir, en gros. C'est pas faux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Dark? Bah, on part devant, allez. Tu lis dans les pensées, on récupère Tarak et on s'arrache. Sans mon frangin, t'aurais pas de maître à affronter, ce serait embêtant. Dark, t'as déblayé le terrain maintenant à la chair au sauveur. Moi je dis, tu devrais continuer sur ta lancée. Mais... Liv est une employée comme une autre, après tout. Elle a planqué la clé du monorail pour faire plaisir à son patron. En parlant de chez Rose, je me demande bien ce qu'il fabrique avec le maître. Vous savez quoi? Toute cette adrénaline, ça me rappelle le smashing et quand j'étais gamin. Il y avait des concerts live complètement déjantés. On savait plus où donner de la tête. Enfin bref. Qu'est-ce que vous faites encore ici? C'est à vous de monter sur scène. Allez-y, on vous soutient. Je vais rester ici pour garder un œil sur mon frère. Revenez s'il y a un souci. Allons-y, Dark. Attends, je visite. Il y a peut-être des trucs cachés. Ah, on peut aller sur l'herbe. J'ai cru que c'était restreint. Ah, super bonbon. Ah oui, j'ai envie de visiter, voilà. Et la grande roue? Elle est où la grande roue? Je vais monter dans la grande roue avant de finir le jeu, moi. Les Pokémon légendaires. Ah, je t'ai vu, toi. Nom d'étrange. Comme c'est étrange. Le corps du lanceur produit des ondes anormales qui enveloppent l'ennemi et diminuent beaucoup son attaque spéciale. C'est type électrique, vu que le disque était jaune. Assez grand. Alors cette fois, on peut presque faire le tour de la tour. Pile. Objet à tenir, une pile jetable qui augmente l'attaque du porteur lorsqu'il encaisse une attaque de type électrique. Là-bas. Je veux une vue d'ensemble. Et voilà. C'est nickel. Une graine électrique. Objet à tenir augmente la défense lorsque le terrain est couvert d'un champ électrifié. Voilà, il est pas si mal ce jeu. Voilà, on est récompensé pour être curieux de fouiller comme ça. Ah bah voilà, une pépite. Notre curiosité est récompensée, c'est cool. Bon, on en est à 25 minutes. Allez, je rentre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est trop stylé ici, et c'est immense. Il est joli le sol. D'ailleurs, il paraît que le Sheroes Tower est bâti sur une source d'énergie. Ça veut dire qu'en théorie, on devait pouvoir dynamaxer nos Pokémon ici aussi. Mais bon, vaut mieux ne tenter ça qu'au sommet ailleurs. D'ailleurs, c'est trop étroit. On va faire la finale au sommet.
Je me demande si cet ascenseur peut nous conduire tout en haut de la tour. Il paraît qu'il y a 100 étages quand même. Ici, pas moyen que je me les tape à pied. Oh. Coucou. Vous n'avez aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Vous ne verrez même pas le premier étage. À l'heure de l'intrus, on pénétrait dans le bâtiment, je répète. Les intrus ont pénétré dans le bâtiment. Tout le personnel est prié de chasser ces individus sur le champ. Ah, et j'ai même la permission de Madame Liv pour botter les fesses. C'est bien ça. Ça sent la belle prime pour moi. Et allez, du balai les mômes. Encore. Tu manques d'originalité. Accueillez. C'est merveilleux. Oh, très bien. Ah, et voilà, obligé de te donner une partie de mon bonus déjà que je suis sous-payé. Ah. Mais t'étais pas obligé. Ma prime, mes vacances de rêve à Alola. Ah, tiens. On cherche chez Rose, dites-nous où le trouver. C'est le PDG, donc forcément, il est au dernier étage. Prenez l'ascenseur comme tout le monde. Bon, on n'est plus très loin dans ce cas. On arrive, frangin. Allez, Dark, on n'a pas une minute à perdre. Ah, j'ai arrêté de parler, hein. Je vais te visiter un peu. Ah, c'est très joli, hein. Très joli. Bonjour, madame. Bienvenue à l'accueil de la tour chez Rose. Chez Rose. Pardon. Bon, y a rien. Ah, il est grand l'ascenseur. Wouah, jamais vu un ascenseur aussi immense. Ah, on le voit en direct comme ça. Stylé. L'ascenseur le plus long du monde. On n'est pas à 100e étage là. Pourquoi on s'arrête? On n'est pas encore arrivé au sommet. Ah, des amis. Vous êtes les challengers, n'est-ce pas? Nous vous remercions pour votre participation au défi des arènes de la Ligue de Galar. Cela étant dit, la possession de badge ne vous donne en aucun cas le droit d'être ici. Alors, du balai les mômes. Les ascenseurs sont tellement high-tech qu'on peut même y faire des combats Pokémon. Merci, Macro Cosmos Construction. Ok. Angelina et Fabien. Voilà. Elle est beaucoup trop simple ce jeu. Franchement, ils auraient vraiment dû mettre une option pour enlever les indications comme quoi c'est efficace, super efficace. Bon, voilà quoi.
je suis trop puissant. Tu peux rien contre moi. Pas très efficace, mais il a fait quand même des dégâts. Donc c'est pas mal. Même après un combat Pokémon, ses ascenseurs tiennent le coup. Quel bijou de technologie! Comment oses-tu? J'ai été élu employé du mois à Macrocosmos Construction. Hein, un pot de l'Afrique. C'est pas peut-être. Bon, vu qu'on a perdu, vous pouvez rester ici. Mais promettez-nous de ne pas déranger. Monsieur Chirose, il a beaucoup de travail. Oui, comme d'hab. Les ascenseurs de la tour ne sont en fait que des plateformes sans parois qui montent et qui descendent. Et pour éviter les accidents, elles sont entourées de murs de lumière. Ils sont forts chez Macrocosmos Construction. Les employés de la tour peuvent arrêter l'ascenseur quand ils veulent. On va mettre on va mettre des semaines à atteindre le sommet à ce rythme. Nos équipes en ont bien bavé. Je vais les soigner. Ah, sympa. Il monte plus vite là l'ascenseur. Bon, là, doit être au 15e étage, un truc comme ça. La Shadow Tower fait 300 mètres de haut. Vous êtes actuellement à 150 mètres du sommet. Ah, la moitié! Donc 50 étages. Bonjour, je représente Macrocosmos Assurance. Connaissez-vous nos assurances vie? Non. Ah! Cindy. Arnaud et Cindy. Oh, le bel rouage. Ah, c'est les Pokémon inventés à la 5e génération, les rouages. C'est pas très efficace. Ah, ça non plus, apparemment. Ah, c'est très embêtant. Ouais. Pokémon, prendre lui, même s'il est trop haut niveau. 65, c'est abusé. Et forcément, vu que la moitié de mon équipe, c'est les Pokémon échangés, forcément, je suis en avance par rapport au jeu. Donc c'est pour ça que j'ai gagné si facilement le combat final contre Nabil et Rosemary. Ouais. Et bon, vu que je voulais les 3 starters, voilà. Ouais. Quel? Thank you.
Voilà. Bien. Allez, on va faire double pied. L'animation des doubles pieds, ça a toujours été comme ça. Non, depuis la génération XY, vu que c'est à partir de là, enfin XY qui est la sixième génération, c'est à partir de là qu'on a eu les Pokémon comme ça en 3D, presque comme on voit actuellement. Alors que la cinquième génération, c'était sur. Enfin, c'était noir et blanc, je crois, c'était sur DS. Graphiquement, c'était beaucoup moins évolué. Voilà, c'est à partir de XY qu'on a l'animation de l'attaque double pied quand le Pokémon il sautille juste comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont repris ça. Ils ont. Après, sur Switch, c'est vrai qu'ils auraient pu faire une petite amélioration parce que là, c'est la première fois qu'on a un jeu Pokémon sur console de salon, sans compter évidemment le remake de la première génération de Kanto, quoi, de Pokémon. Enfin bon. C'est vrai que bon, après l'histoire et tout, c'est sympa, mais voilà, comme je l'ai dit, voilà, le jeu en gros est un peu court, quoi. C'est dommage. Vu qu'on enchaîne rapidement les badges. Après les combats, c'est. Le combat contre les champions, j'ai beaucoup aimé, c'était quand même assez stylé, avec l'ambiance et tout là, sur une sorte de terrain de grand stade, avec tout le monde qui nous acclame. C'est la première fois qu'on voit ça dans un Pokémon. Et... Ah, c'est surtout la première fois qu'on voit ça quand on affronte le premier champion après avoir fait déjà 4-5 heures de jeu, enfin si on prend son temps sur les terres sauvages, vu qu'on doit traverser la première partie des terres sauvages avant d'arriver au champion. Et sûr que moi ça m'a fait un peu d'effet quoi, le fait d'affronter le premier champion et, avec la musique bien rythmée et tout. C'est pour ça aussi que j'aime bien la musique. C'est dommage qu'on les enchaîne rapidement, quoi. Rien que pour aller au deuxième badge, j'étais surpris, quoi. J'étais surpris que ce soit aussi rapide. Bon, c'est comme ça. Hein. Après, c'est bien pour la fin du jeu, là. Visiblement, ils changent un peu le scénario. C'est pas, ça se répète pas. Il y a pas une histoire de conseil 4 avant le maître. Ah, c'est bien de changer un peu. Il y a un peu de rebondissement, c'est pas mal. Ah, déjà 40 minutes. Ah. L'immonde là, je sais pas trop de quel type il est, mais. Je dirais poison et. Poison et eau, je sais pas. Franchement. K.O. Ah mince. J'ai failli le mettre K.O. Dommage. Ah bah. Voilà. Ah, c'est quoi ça, Mount Sonic? Bon. Attends. Oui, mais non, voilà, spécial. Ça vaut pas la peine. Là, franchement.
J'ai déjà tout ce qu'il faut à la maison. Non, là, désolé. Attaque les Pokémon alentour grâce à une onde sonore assourdissant qui détruit tout sur son passage. Mais non, mais ça, je l'ai déjà en plus avec... Enfin, j'ai déjà un truc similaire avec mon... Pokémon poison électrique. Ça a l'air saine, voilà. Ah. Ils ont intérêt à me donner une prime à un macro Cosmos Air. J'ai l'impression de flotter quand je prends... Quand je prends l'ascenseur, ça m'a déconcentré. Et bien sûr, mais bien sûr. Vous vous prenez pour qui à vouloir débarquer dans le bureau du président sans rendez-vous? Seuls les quatre sont autorisés dans les étages supérieurs de la tour. Et seul le président Chérose et son assistante ont le droit d'accéder au sommet. Là, la batterie faible. Voilà, il m'a cassé. On y est presque, courage! J'ai envie de voir la suite, j'ai envie de continuer. Là, je pense que je vais arrêter, là, parce qu'on est déjà rendu à 42 minutes. Oula, ah ouais, là. J'ai envie d'admirer la vue. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai peur. Je retourne. J'ai peur. Voilà, elle a disparu. Oh mon dieu, elle m'a téléporté, elle a des pouvoirs. Bienvenue à l'étage exclusivement réservé au président, cher Rose. Nous sommes à 300 mètres d'altitude. Je vois que vous avez su vous défaire de mes subalternes. Impressionnant. Je commence à entrevoir pourquoi Tarak vous a porté tant d'intérêt. Mais assez joué. Il est temps de rentrer chez vous maintenant. Car, voyez-vous, je ne laisserai jamais personne se dresser en travers du chemin de Monsieur Chérose. Oulala. Commençons par toi, Dark. Si je te mets hors d'état de nuire, le maître arrêtera de ne penser qu'à ce combat. Et écoutera enfin les sages paroles du président. Elle n'est pas contente. Vive le macrocosmos veut se battre. Bah on y va. En avant. Ah, lui c'est Spectre. Allez, j'ai envie de prendre lui. Ça fait un petit moment que je l'ai pas repris. Ah, et après ce combat, on va s'arrêter parce que là, j'ai à 3/4 d'heure. Ça va pas, hein. Ah, Spectre et glace. Ok. Ah. Je suis trop haut level. C'est impressionnant. Voilà. Ah, ça fait mal. Petit assolant, comment oses-tu blesser mes Pokémon? Pokémon! Super, on avait une chasse. Allez, rebelote. Ah, cette fois, je l'ai mis pas KO. Aïe. Allez, pour changer un peu.
Milobelus. Ah, c'est un beau Pokémon, ça, Milobelus. Il est de la 3ème ou 4ème génération, celui-là. Ah, il a évité mon attaque. D'accord. Dragon est haut, ça. D'avoir marre qu'il évite mon attaque là. Ah, cette fois je lui fais pas très mal. Plus il se soigne. Ah bah voilà. Oh, par contre celui-là... Ah, mon dernier Pokémon, hein. Oh, ne crois pas que je vais te laisser gagner comme ça. Ah, celui-là il est beaucoup moins beau par contre. On va nettoyer tout ça. Un coup de lance-roquette. Ah... Veux-tu assister à l'impossible? Allez, Dynamax. Ok. C'est toi qui vas assister à l'impossible. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais il est assez stylé avec ces trucs là. Le bateau et tout. C'est joué collé sur lui, c'est pas mal, c'est marrant. Non, pitié. Saloperie. Attends un peu, attends que je m'énerve. Laisse-moi m'énerver un petit peu. Allez, on va utiliser... Attends, voyons voir. Ah, c'est les mêmes. C'est la même puissance d'attaque. Parce que des fois, on tombe sur les mêmes attaques, mais ça n'a pas la même puissance. Alors que là, ça avait 130 de puissance, les deux. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on le voit en... La première fois qu'on le voit en Dynamax, celui-là. Il y a certains Pokémon qui changent pas l'apparence quand ils viennent en Dynamax. Oh, saloperie. Putain, c'était moi qui avais attaqué en premier. Je suis plus haut level. Je vais avoir plus de vitesse. Voilà, petit nettoyage. Petit nettoyage au printemps. Comment ai-je fait pour perdre ainsi? Je ne suis vraiment pas à la hauteur. Ah, quelle erreur! Je n'aurais pas dû sous-estimer un challenger finaliste. Je comptais vous retenir pour tous... par tous les moyens possibles, mais après tout, peu importe. Les étoiles vœux ont été rassemblées, c'est tout ce qui compte. Tu gères, Dark. Faites vraiment une équipe du tonnerre avec Gorithmic. Bon, il faut que j'arrête la vidéo, moi. Monsieur le Président, je continuerai les préparations pour vous. Préparatifs, plutôt. Mais laisse-moi arrêter la vidéo! Farak, nous en avons déjà discuté maintes fois. Pourquoi refuses-tu de comprendre?
J'en attendais plus du maître de galère, de Galard. Ah, mais j'ai très bien compris le problème, monsieur le président. Ce qui m'échappe, c'est pourquoi vous vous affolez maintenant pour une crise qui n'arrivera que dans 100 ans, 1000 ans. Pourquoi annuler le tournoi? Cela ne peut pas attendre un jour de plus. Mon devoir en tant que maître de Galar est de m'assurer que le tournoi se déroule bien. Je le fais pour le public de Galar, et un peu pour moi aussi, mais surtout pour toi. Décidément, Tarak, tu n'y comprends vraiment rien. Ouvre les yeux, enfin. Regarde notre belle région. Dans 1000 ans, tous ces merveilleux paysages sont ruinés par la crise énergétique. Dans 1000 ans, le public de Galar auquel tu tiens tant ne sera plus. C'est pour cela qu'il n'y a pas une minute à perdre, encore moins une journée entière. Si nous voulons sauver Galar de son tragique destin, nous devons agir immédiatement. Dans 1000 ans, monsieur le président. D'accord, je crois que je vois ce qui vous inquiète. Je vous aiderai. Mais seulement après le match de demain. Allez, il faut que j'arrête la vidéo. Stop. Oh là là, mais c'est pas possible, ils vont jamais s'arrêter. Bah alors, frangin, t'es jamais venu au restaurant, du coup. On s'est inquiété et on est venu te chercher. Même Rosemary, Peterson et la team Yel nous ont aidés à venir jusqu'ici. Je suis absolument navré de t'avoir inquiété de la sorte, mon cher Nabil. Nous avions un petit différend à régler entre adultes, vois-tu? Vous en faites pas, vous deux. Retournez à l'hôtel et commandez ce que vous voulez. C'est le maître qui régale. Monsieur le Président, j'espère que vous assisterez. Vous assisterez au match de demain. Un peu fatigué, faut que je m'en pose. Ce sera un combat historique, c'est sûr et certain. Ah, j'ai hâte. Il faut que j'arrête la vidéo pour enchaîner après. Ah, il se passe quelque chose. Historique, dis-tu? On verra. Il se passera quelque chose d'historique, oui. Cela, je peux te le promettre. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Le lendemain. C'est le jour J, j'espère que t'as bien dormi. Moi, j'ai grave le trac, hein. Je sais même pas pourquoi, vu que c'est pas moi qui vais combattre. Ouais, j'ai peur que ton frère perde sa place. Place de maître. Dark, le tournoi des champions va commencer. Venez, je vais vous mener au stade. Oh, d'où tu nous parles comme si de rien n'était. On n'a pas oublié ce qui s'est passé hier. Un pas de plus, et moi et les Argus, on te rétame. Attendez, il y a méprise. Je suis dans le camp des gentils, moi. J'ai entendu parler des événements d'hier. Madame Liv est vraiment prête à tout pour assister notre président, vous comprenez? Il semblerait qu'elle se soit formée une grande rapprochée qui n'hésite pas à avoir recours à la force. Mais je n'en fais pas partie. Tous les employés présents aujourd'hui sont dignes de confiance, n'ayez crainte. Mouais, ok, je suis moyen convaincu, mais bon. Avec tout ça, c'est l'heure, Dark. J'ai trop hâte de voir ce combat. Moi aussi, mais... Vous arrêtez un petit peu de parler, ce serait pas mal. Souhaitez-vous que je vous accompagne au stade? Main dans la main? Ah oui, avec plaisir. Suivez-moi, je vous prie. Et voilà! Enfin, on va pouvoir s'arrêter! Ah là là, c'est fatigant de parler, de lire. Mon Dieu, ça ne s'arrêtait plus. Oh, j'espère en tout cas que cette partie vous aura plu. Et je vous dis à très 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 vite pour la suite. Au
et le combat final. Détrôner le maître. Allez, ciao tout le monde.